l'œil, qui a été le traiteur de toutes ces festivités de coudure, a fait parvenir quant à lui une prime de 50 euros. Eh bien, c'est le spécialiste maison, si je puis dire, il n'est autre que le champion de France des vaches sans corde, Mathieu Noguès, qui excelle dans ce genre tout à fait particulier, qui est d'affronter les vaches sans corde. Déjà trois figures de fête, ça va très très vite grâce au bon comportement de la coursière qui repart après chaque figure. Voilà, eh bien sur le saut, on sait qu'il excelle justement dans cette figure devant les sans cordes. On le voit lui aussi grimaçant. Ah, dans le creux des reins là, belle figure du champion de France qui reçoit 5 euros de monsieur le maire Benoît Bancos. 5 euros également de la coprésidente Sandrine Darietor, alors que Fabien Lapias se prépare là pour venir la franchir. Il va tenter donc un saut. Septième figure m'annonce le jury. Avec encore une fois très très haut au-dessus de la coursière, ce saut périlleux brillé de Fabien Lapias. Avec le saut de l'ange ce coup-ci. Alors, vous avez vu quelle facilité, alors que Mathieu Noguès revient pour annoncer la dernière figure, puisque c'est le brindis au public. Tout le monde lui souhaite bien sûr la parfaite réussite ce coup-ci.